Je suis le père Louange Daniel Egbeku de l'archidiocèse de Lomé au Togo. Je viens d'une famille de trois garçons et j'ai eu une vocation assez précoce dès l'enfance. Au lycée, je suis entré au séminaire par appel du Seigneur et au bout de 10 ans, j'ai été ordonné prêtre par mon archevêque. Disons, ma première réponse à l'appel du Seigneur était simplement de pouvoir le servir à travers mes frères et mes sœurs. Alors, ça a été pour moi une belle surprise du Seigneur à travers l'appel de mon évêque. Et cela me permet en même temps de parler de l'Église catholique au Togo et dans mon diocèse à Lomé, une Église qui est belle, vivante et donc en même temps beaucoup de vocations. 28, 29 prêtres, pratiquement 30. Cela témoigne de la qualité et de l'abondance de la vocation dans ce pays. Et la providence du Seigneur a voulu que je sois ici à Rome pour ces études de droit canonique. Eh bien, je suis étudiant de l'Académie pontificale ecclésiastique pour ces futurs diplomates, pour ceux qui sont au service donc, de la diplomatie vaticane partout dans le monde. Par moi, la fondation qui me soutient donc, donne ainsi un coup de pouce à la formation des séminaristes et des prêtres dans mon diocèse. D'ailleurs, il y a plein de jeunes qui ont les capacités qu'il faut pour se faire former et ainsi donc pouvoir servir l'Église universelle et les églises particulières.